Bienvenue à Victoriaville. Nous sommes au centre Agrisport pour les Jeux provinciaux 2015. Alors, ce matin, nous aurons droit aux compétitions de palet et sac de sable. Et à l'extérieur, aura lieu les compétitions de course à pied et de marche prédiction. Donc, bienvenue à tous. Et Prud'homme, directeur général du réseau FADOC. Aujourd'hui, on a, en fait, qui se déroule sur deux jours, les provinciales au niveau des finales. Et on a 15 000 participants dans les régions qui se sont qualifiés. Dans ces 15 000-là, 1500 ont gagné pour se qualifier pour le provincial. On a 15 disciplines réparties à travers les sites. Les gens, sur deux jours, vont compétitionner au niveau, par exemple, des darts, au niveau du golf, au niveau de la marche rapide, au niveau de la course, au niveau du palais américain. Donc, on a quand même plusieurs disciplines, vous pouvez voir, là, pour tous les goûts. Et je pense ce qui est important, c'est que tout ça débute au niveau des localités. On a 70 000 personnes par semaine à travers nos 800 clubs à travers la province qui bougent. Donc, on fait, en fin de compte, bouger plus de monde qu'une ville peut le faire. Et ça, je pense qu'il est important, c'est de considérer que le vieillissement actif, ça passe par, en grande partie, le réseau FADOC. Bonjour, moi je m'appelle Georgette, je suis bénévole, c'est moi qui s'occupe du café pour le temps des Jeux provinciaux, puis c'est un grand plaisir pour moi. De Devito? Je suis pas Devito, je suis Saint-Célestin. Valérie Binette, du secrétariat provincial. On est au Jeux FADOC, au pavillon Agrisport ce matin, première journée de compétition. Ça se lance bientôt, donc ça va super bien. FADOC, puis c'est moi qui fais le magazine. C'est quoi? Lynn Rémillard. Hello. Et moi, je m'occupe du magazine Virage en particulier, à la FADOC, je suis directrice adjointe. Et là, je suis ici pour vendre des boutons pour la qualité de vie des aînés. Un petit don de 2 $, vous vous affichez comme quoi vous êtes d'accord avec la qualité de vie des aînés. Alors, je m'appelle Michel Beaumont, je suis directeur adjoint Affaires et communication pour la FADOC Région de Québec, Château-Appalaches. Ça va faire 13 ans que je suis à FADOC. J'ai commencé par être animateur dans un programme d'activités dans les résidences privées. Ça, je me suis occupé des jeux régionaux pendant au-dessus d'une dizaine d'années. Maintenant, bien, je suis en gestion avec deux collègues, dont un conseiller en loisirs, une technicienne en loisirs qui fait partie de l'équipe à la FADOC à Québec. Bonne journée. Vous en avez joué à quoi, là? Aux poches. Aux poches. À l'île de Saint-Essor. Ah oui, vous avez été meilleur. Probablement qu'on va être les meilleurs. Bonjour, capitaine. Là, ça m'entraîne. C'est lui le capitaine. C'est lui le capitaine? Moi, je suis l'organisateur local à l'ancienne Narite. OK, tu peux te nommer. Puis... Oui, monsieur. Magella Bello. Magella Bello, organisateur local des Jeux de 5 décembre à l'ancienne Narite. Ah ouais, puis vous êtes bon? Moyenne. Ah ouais. On vient chercher les médailles. Ah, vous avez l'air en forme. Toujours en forme. Okay. On arrive à la dernière minute, on est en forme. Okay. Pas de problème avec ça. Ouais, merci, on va vous surveiller de proche. OK, merci beaucoup. Moi, je suis responsable des délégations de Québec et je suis à Appalaches. Nous, on a 217 personnes qui viennent nous représenter dans différentes catégories. Aujourd'hui, c'est la marche prédiction. J'ai trois équipes au sac de sable, j'ai deux équipes au palais. J'ai des équipes au quai aussi, petit quai, grosse quai. Alors aujourd'hui, c'est pas mal ça pour le plan de la journée. Fait que je vais essayer de les suivre un peu partout. Puis, voir si on va gagner des médailles, je l'espère. Bonjour, mon nom est Sylvain Richard. Je suis le chronométreur officiel de l'épreuve de marche prédiction par équipe et prédiction individuelle. Alors aujourd'hui, nous utilisons une technologie de photo finish un peu au même titre qu'aux Jeux olympiques. Donc la photo finish permet de déterminer le temps avec exactitude pour chacun des marcheurs. Et après ça, nous faisons le calcul selon leur prédiction pour pouvoir déterminer quelle personne a marché le plus précisément sur sa prédiction. Et j'espère que nous aurons des coureurs et des marcheurs à 0 seconde aujourd'hui. C'est très miraculeux. Ça a très bien été. Ça a bien été, puis on est bien content que ça soit fait. Un gros merci. Bingo. Nicolette. Oui. Lucille Manceau. Carole Doiron. Ça m'a aidé. Oui, très bien, merci. On pense de gagner la médaille. Salut. Salut, ton nom? Moi, c'est Jean-Louis Manceau, le FADOC de Nicolette, président de FADOC de Nicolette, depuis 4 ans. Il nous a fait plaisir aujourd'hui de venir vous rencontrer pour la marque prédiction. On espère peut-être gagner. On souhaite. D'accord.
Moi, je viens de Tinoué, mais je suis dans l'âge d'or de Warwick. Et puis on s'amuse bien. Jean-Claude Menard, ça va très bien. On a du plaisir. Gagné? Oh non. Moi, c'est de ma musique qui est le principal. Michel Francard, je suis le technicien en loisirs et en activité de la FADOC Région Estrie. Puis on est présentement aux Jeux provinciaux à Victoriaville pour la 24e édition. Et sur place, on a environ 138-140 athlètes qui nous représentent dans différentes disciplines. Tu t'occupes d'une discipline en particulier? Non, je ne m'occupe pas d'une discipline en particulier. Je m'occupe vraiment que tout va bien dans toutes les équipes, que tout le monde soit satisfait dans le fond puis soit heureux dans leur compétition. Hey, merci, Michel. Bien, de rien. On peut le cligner. Bon. Mon nom, c'est Gilles Duval, et moi, ce qu'on fait ici, ma copine et moi, c'est qu'on est à l'information pour les gens qui cherchent des renseignements, soit concernant les Jeux, et aussi pour la ville de Victoriaville. Marie-Hélène Nadeau. Alors, je suis la conjointe de Gilles, et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être bénévole. Oui, bonjour, Francky. On s'en va où, là? On s'en va au quai. Bénévole spécialisé pour le jeu de pétanque à tout, qui va être demain matin ici, où on était. Oui, à l'agri-sport. Vous allez vous brûler pour avoir un bon bain. Ah, c'est bon! La BTB est finie quand même. La BTB est finie quand même. Au petit. Ah, les gars, au petit cul. Hein? Petit cul, ouais. Ton nom, c'est quoi? Hein? Ton nom, c'est quoi? Roland Léveillé. Jean-Pierre. Okay. Es-tu content de recevoir la FADOC? Je suis bien content de recevoir la FADOC. Ça fait pour la deuxième année de fil qu'on reçoit ça. Là. Oh, ça fait plaisir, c'est ça. Belle clientèle. Ça fait un plus. Oh, oui, c'est bon. Alors, ton nom, c'est quoi? Jean-Pierre Brobert. On est où, là? Ton nom, c'est quoi? Ah, hein? Salon Futur, OK. OK. Allez, hey, merci. Ça va bien. Francine Chabot, je suis aux finances, au secrétaire provincial. C'est Sylvie Saint-Pierre, bénévole spécialisé du Centre du Québec pour les quilles. Saint-Isidore dans Beauce, Viateur Couture. Bonjour, mon nom est Marc Lacroix pour la distribution Sport 50+. Vous avez le jeu de Shuffleboard Billard, qui est un croisement entre le Shuffleboard et le jeu de billard. Est-ce que vous avez rentré la... Oui, donc le but du jeu, c'est donc de faire comme le jeu du 9, de rentrer la 9. En frappant toujours sur la table le plus petit chiffre en premier, pour après ça être capable de réussir à rentrer la 9. Ça peut se faire successivement de la 1 jusqu'à la 9, ou par ricochet pour rentrer la 9. C'est 2000 $ aux alentours pour un jeu comme ça avec les quilles, mais c'est garanti 20 ans au niveau des tuiles. Vous venez de quelle région? Abitibi, Témiscamingue. Ah ouais. Ville-Marie. Au Ville-Marie, principalement. Ah, oui. T'es un petit peu plus loin, là, c'est vers le milieu. Je connais ça, Ville. Alors, c'est Denis Turcotte. OK. Région Côte-Nord. Okay. Oui, je suis accompagnateur avec la représentante de
la présidente régionale de la FADOC de Sacré-Cœur à Blanc-Sablon. Bonjour. De quelle région? Saint-Jacques. Hein? Saint-Jacques, la Naudière. Vous avez joué à quoi, là? La marche... marche prédiction. Prédiction. Oui. On donne des autographes. Oui, puis... Ben, c'est ça. On va aller là-bas. J'aimerais l'avoir. Saint-Bernard-de-Beauce. Saint-Bernard-de-Beauce. On est de la Beauce, Saint-Bernard. Non, non. Saint-Bernard d'Armand Gagné. Ah, c'est Roger Breton. Suzanne Fortin. Là, c'est pas dans Beauce. Oui. À Sainte-Marie-de-Beauce. Vous n'avez pas participé au hockey? Non, moi, je suis avec mon monde quand même. Du comité de soutien Nouvelle-Beauce. Je siège à la FADOC Québec-Chaudière-Appalaches. C'est quoi? Au CA. C'est quoi ton titre? Je suis au CA, je suis représentante du secteur. Je m'occupe beaucoup des jeux régionaux, du galop de danse, de la revue L'Écho des Deux Rives et de mes clubs. J'ai 10 clubs sous ma responsabilité. Dans quelle région vous venez? Du Québec. Plessisville, Victoriaville. Plessisville, moi. Non, mais dans la région de. Drummondville, Nicolette. Tout ce qui est du sport ici du fleuve. Mon nom, c'est Estelle Dignard. Okay. Je demeure à Saint-Louis-de-Gonzague. Je fais partie du groupe Régis-sur-Roi. Là, c'est quoi, ça, ici? Ça, c'est ma sacoche que j'ai faite avec les poupées de Calais. C'est de la récupération, puis je fais beaucoup de choses avec ça. Je fais des rideaux, des robes, des jupes. Ah, ouais. Oui, tout au crochet. Bonjour, mon nom, c'est Jacques Dignard. Je suis président de la région Rive-Sud-sur-Ouest. Je suis ici aujourd'hui pour accompagner les membres du Rive-Sud-sur-Ouest. J'en ai qui font de la marche, j'en ai qui sont au golf, puis il y en a qui jouent au billard. Fait que je suis ici pour les encourager aujourd'hui et demain, je reviens pour ceux qui vont jouer au dard. Merci. De Châteauguay, on fait partie du club Sur-Ouest. Rive-Sud-sur-Ouest. Je viens de la région Rive-Sud-sur-Ouest, de Châteauguay. OK. Et ça a bien été au jeu? On s'est très bien été. Ouais. Oui, c'est une journée plaisante. Allez-vous gagner ça? C'est sûr. Marie-Bois Turcotte. Okay. Présidente de FADOC Région Côte-Nord et représentante de la délégation Côte-Nord. Oui, je représente 51 participants. 53 avec mon conjoint, puis je crois... Pas certaine, mais je pense qu'on vient de gagner une médaille d'or au sac de sable ou médaille d'argent. Première participation pour cette équipe-là. C'est beau. À Montréal pour mes réunions au provincial. Mes réunions unifiées, je prends l'avion à cette île, direct Montréal. On est ici pour 3-4 jours. Je tourne dans mon patelin, oui, c'est ça. L'année dernière, j'ai fait une très grande tournée de mes clubs. Qui m'a amené à embarquer sur le Bel Air des Gagnés pendant 6 jours. Pour aller visiter mes clubs anglophones et francophones. J'avais assisté un interprète avec moi parce que je parle seulement le français. Très belle rencontre que j'ai faite. Je viens de fonder encore un club à Tête à la Baleine et j'en fonde un là, à Fermont dans quelques semaines. Vous savez, ça n'existait pas? Non! Il y en a, mais à Fermont, ça n'existait pas parce qu'avant ça, les familles quittaient lorsqu'ils prenaient leur retraite. Mais maintenant, ils peuvent demeurer à Fermont, dans le nord de la côte, dans le nord de ma côte nord. Mon nom, c'est Yvon Boutette. Je suis bénévole, en fin de compte, pour la FADOC. Quand bénévole, tu fais quoi? Oh, toutes sortes de choses. Comme ce matin, j'ai été au stationnement aidé à placer.
transport d'eau. Je suis allé à la pétanque aussi, installer toutes les installations de la pétanque. Les équipes ou les individus vont... Serge Chalifou, Monsieur Sanson, madame, Diane Dupuis, oui, monsieur, Monsieur Garançon, voilà, François Saint-Jean, Nicole Labrosse, Monsieur Brice Boileau. Donc il nous manque juste Monsieur Lebrun, Rémi Lebrun. C'est tout? Il est parti. Bonjour, mais quand même, une bonne représentation. Donc, j'aimerais vous dire que si on avait été dans une compétition, parce que c'était un sport en démonstration, je vais vous donner les trois premières positions quand même. En troisième position, M. Rémi Lebrun, justement, qui a dû partir, donc qui a fait un temps de 25. Je tiens à remercier encore une fois nos bénévoles spécialisés de Palerme, vous pouvez vous lever debout. Vous voulez prendre une photo avec eux. Félicitations.